Bon Didier, déjà, pouvez-vous nous parler de cette étape d'aujourd'hui avec le San Genesio? Ça va peut-être être la plus belle étape de la semaine, non? Ah, il y a eu des belles étapes déjà, mais c'est vrai que c'est la dernière où tout le monde lâche les chevaux. Il y a de belles montées, il y a de quoi faire, une grosse descente dans le final avec cette borne de plat derrière. Qu'on a vu tous les jours la bagarre, tous les jours un peu les équipes qui essayaient de trouver un sens à l'épreuve pour gagner l'étape. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu la même en couleur. Nibali à chaque fois a cœur d'essayer de gagner une étape ici, donc je pense qu'il va pas se gêner sur cette dernière étape. Donc encore une fois de plus, je pense qu'on va avoir un beau spectacle sur cette cinquième et dernière étape. Oui. Un petit mot sur votre groupe, et on a notamment vu Alexis Villermoz ces deux dernières journées très actives. Oui, Alexis, il se construit petit à petit pour son Giro. Après la blessure qu'il avait eue, il y a 15 jours d'entraînement, il manque un peu d'intensité. Donc aujourd'hui, pour lui, ce qui est important, c'est encore de faire des efforts chaque jour. Et puis bah, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Derrière, il va partir sur Liège-Bastogne-Liège, il va finir son travail. Donc oui, ça prend forme pour son grand fil rouge qui est le Giro derrière. Puis ici, on a une équipe qui travaille aussi pour ça. Hein. Ils sont tous ici à travers le Tour des Alpes pour préparer leur Giro. Les 5 coureurs qu'on a ici sont effectivement pour ça. Ouais. Un petit mot sur la Sky, impressionné par cette force collective avec des jeunes coureurs. Oui, toujours. On sait qu'ils ont un vivier derrière qui est toujours présent. Ils ont le savoir-faire. Ils sont très collectifs sur leurs actions. Ils sont toujours en surnom, mais ils savent courir. Après, quand tu as des très bons coureurs comme ça, la course, elle est facile à faire et facile à dessiner. Hein. Quand tu es en surnombre, tu peux organiser, tu peux attaquer à tour de rôle, tu peux faire ce que tu veux un petit peu. Hein. On voit Nibali, à la fin des courses, il est un peu seul, un peu essolé. Il se retrouve face à trois Sky, ça devient vite compliqué pour lui. Merci beaucoup Didier.